Daniel Durand, bonjour. Vous êtes adhérent de l'enseigne Julien Dorcel, une enseigne du groupement Synalia. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous de me recevoir. Pouvez-vous nous en dire davantage à propos de votre parcours professionnel avant d'intégrer le groupement Synalia? Ben, moi, j'ai un parcours scolaire avant de rentrer, puisque j'ai fait un IUT GEA. J'étais attiré par les chiffres, mais le commerce et le contact m'ont toujours intéressé. J'ai découvert la bijouterie en aidant mes parents, puisqu'ils étaient bijoutiers durant les fêtes, pendant les vacances, des choses comme ça. Et le côté le bijou, le côté vente de produits plaisir et fête m'a beaucoup attiré, tout comme la technicité des bijoux, matières, pierres, serties et des montres. Et après, j'ai complété ma formation de gestion par une formation continue sur la technique de bijouterie, l'étude des pierres. Quel a été l'élément déclencheur qui a fait que vous avez eu envie de vous lancer dans un projet sous enseigne Julien Dorcel? Le côté ensemble, le commerçant de base, on est un petit peu esseulé et le fait de faire partie d'un groupement et d'une coopérative et d'une enseigne, ça permet d'avoir des contacts avec les autres, d'échanger et c'est une richesse et on se sent moins seul et je trouve que c'était vrai à l'époque, c'est encore plus vrai par les temps qui courent où le monde du commerce, entre autres, évolue très vite et c'est intéressant de pouvoir échanger avec des collègues et d'évoluer avec eux. Ça permet d'évoluer plus vite, je pense. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le groupement et plus particulièrement dans cette enseigne? Le côté dynamique, l'image, et puis on enseigne les bijouteries indépendantes, parce qu'on est quand même des indépendants, puisqu'on est maître de notre propre destin quelque part. Il n'y en a pas tant que ça. En quelle année vous avez rejoint le groupement et combien de magasins vous avez? J'ai rejoint le groupement en 85 avec un magasin à l'époque, puis un deuxième assez rapidement, et là actuellement j'en suis à 4. D'accord, dans quelle région vos magasins sont implantés? Dans la région proche toulousaine, dans un art de cercle entre Mazamet dans le Tarn et Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Est-ce qu'il s'agissait de création de points de vente ou de reprise? C'est assez variable. Il y a eu de 3 reprises une création, 2 dans un centre-ville et 2 dans des centres commerciaux. Comment se déroule le processus d'intégration au groupement, au niveau de la formation notamment? Dans mon cas, ça fait un petit peu longtemps, donc c'était moins peut-être évolué que maintenant. Actuellement, il y a quand même un travail quand on intègre le groupement avec des stages chez un confrère bijoutier. Et ensuite, il y a une école de formation au niveau de la coopérative et de Julien Dorcel qui permet de voir les problèmes techniques, le SAV, des choses comme ça, l'informatique qui permet d'apprendre en e-learning ou en présentiel. Quelles sont les conditions requises, les qualités pour devenir adhérent? Pour devenir adhérent, je pense qu'il faut aimer le contact, être commerçant déjà. Et après, il n'y a pas de conditions particulières. Tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas de prérequis. C'est plutôt la volonté de vendre en bijouterie. C'est sûr que si on a des compétences en bijouterie, c'est plus simple peut-être un peu. Mais enfin, c'est un métier où on apprend assez vite. C'est un métier de commerce. Il faut avoir un peu de financement, effectivement. Mais après, sinon, il n'y a pas de prérequis particuliers. Vos magasins sont plutôt en centre-ville, en périphérie, quelle surface de vente, disons? Alors, c'est assez variable. Je vais de 38 mètres carrés à 95 et j'en ai 2 en centre-ville et 2 en centre commercial en périphérie, dans les deux clairs. Combien de salariés emploie une boutique en moyenne? Ça dépend fortement du chiffre d'affaires. Ça va de 3 salariés à 6 ou 7. Ça dépend du chiffre d'affaires. Il faut compter à peu près un salarié pour 150 000 euros de chiffre d'affaires, je dirais à peu près. Et quel investissement il faut prévoir pour ouvrir un magasin à l'enseigne? C'est assez variable, ça va dépendre des travaux à faire, des choses comme ça. Je dirais, faut compter 100 000 euros de stock à peu près, entre 50 et 200 000 euros de travaux, suivant l'état du local. Est-ce que vous avez des projets de création ou de reprise de nouveaux magasins? Là, moi, personnellement, aujourd'hui, donc, je suis plutôt dans une logique de fin de carrière, d'accompagnement de salariés pour reprendre des boutiques ou des choses comme ça, sachant que j'ai personne dans ma famille qui veut reprendre l'affaire. Donc voilà, je suis plutôt dans cet esprit-là. Et pour finir, quel conseil vous pourriez donner à un porteur de projet qui hésiterait à rejoindre le groupement Synalia? Le gros intérêt de Julien Dorcel, c'est que derrière, c'est une coopérative et où même si effectivement il y a des contraintes, comme dans toutes les franchises, et parce que sinon on ne peut pas avancer ensemble, on est quand même avant tout maître de ces contraintes puisqu'on fait partie de ceux qui décident. Et quand on s'implique dans la coopérative, on y voit toute la richesse qu'on peut apporter et qu'on en reçoit. Voilà. Vous-même, vous avez des fonctions particulières au sein de la coopérative? Mais moi, je suis parti de la commission Julien Dorcel, c'est-à-dire c'est un groupe de travail de 12 bijoutiers qui définit en accord avec les gens du siège la politique de communication, la politique commerciale. Donc, c'est vraiment un échange entre les gens de terrain, des bijoutiers comme moi, et des experts du siège, experts en marketing, en communication. Et la richesse d'une enseigne comme Julien Dorcel, c'est justement cet échange et cet enrichissement entre les deux positions. Daniel Durand, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes adhérent de l'enseigne Julien Dorcel et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.